n'a vraiment pas beaucoup dormi. Ça, c'est malade! On vient de se faire arrêter par la police. Yeah! C'est un départ pour Georgetown, mais on n'a vraiment pas beaucoup dormi. La face à Véro peut confirmer. Rollé parce qu'on s'est mis au bout de Cat Island. Puis les vagues arrivaient de chaque côté, puis c'était vrai que c'était rollé, mais qu'est-ce que tu veux? Au moins, on est prêt pour partir ce matin. On va faire une belle traversée. Come on, everybody! Sing that song! Dream on! Dream on! Dream on! Véro a pogné Maï Maï! Yeah! Lunch time! Oh my god! Maï Maï! Yes sir! Good job, girl! Malade! Un thon! Wouhou! Il pesait! Un thon, man! Ça, c'est malade! Good job! Un beau thon! Wouhou! Worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. On arrive à Georgetown. Regardez ça, l'eau. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you Donc une fois qu'on a laissé la pâte agir 1 heure, on fait 16 petites boules. On va laisser agir un autre 15 minutes. Puis après ça, on va pouvoir les rouler puis faire cuire. Et ceux qui aimeraient avoir la recette, vous pouvez m'écrire en commentaire, je vais vous l'envoyer. J'en ai deux en production. C'est à peu près une minute chaque. Pendant ce temps-là, je prépare les autres. J'ai presque fini. Il y en a deux en production. Il en reste juste un là. Super bon. Merci Véro. Gros job. Maï Maï. Presque prêt. Ça va être super bon. Je suis en train de faire caraméliser des oignons avec de la sauce teriyaki, des noix de Grenoble. On va mettre ça dans nos wraps. Merci beaucoup Véronique. Et puis, ton verdict? Wow! Checkez-moi ça, guys! On a fait ça avec pas grand-chose! Non, mais hein, notre poisson qu'on a pris nous-mêmes. Quoi, tu regardes? Des dauphins en train de manger puis un coucher de soleil. Il y a plein de dauphins là-bas. On les voit pas malheureusement à GoPro, mais c'est un beau spectacle. C'est l'heure du lunch. Oh, il y en a un là. Il y en a. On va en avoir une vingtaine. Première fois qu'on en voit autant à l'encre. Regardez ça, le monstre qu'on a trouvé! Oh my god! Miam 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 miam! Good job, girl! Premier coup! C'est celle qu'on vient d'attraper. Puis Pat avait attrapé celle-là hier. Puis la cigale des mers. Et on garde juste la queue, on met de l'huile. Et on met ça dans le poêle. Ou sur le barbecue, mais on n'a plus de propane. Regardez ça, le repas de champion. Ma langouste est grosse comme la fourchette. Moi j'ai pas de carottes parce que je les ai déjà toutes mangées. C'est super, c'est doux! Oh my god, c'est doux! Je pensais pas que c'était comme ça! Mm. Wow! It's hard! It's like a little muscle, muscly jelly feeling.
Cool, hein? Ah, c'est tout. Va l'air qui meurt. Va-t'en plus loin, tu vas mourir. Ouais, il est juste le bord. C'est Québec, 2001 milles nautiques, Luperon, 345 par là. Vraiment cool! J'ai vu ça dans des vidéos YouTube. Puis maintenant, je suis là. C'est vraiment quelque chose. Je viens de faire un potluck sur la plage, on est une dizaine de personnes. C'est vraiment cool comme place. Qu'est-ce que t'as fait à ton visage, Wendy? C'est quoi, t'es rendu un mime, là? Pourquoi tu mets ta tête dans le sable comme ça, Chiwen? Donc, les futurs navigateurs qui vont venir au Chat and Chill à Georgetown, venez vous prendre en photo devant les stickers atypiques. Après le totem, on va le publier sur notre page. On a tout rempli l'eau, l'épicerie, on a acheté deux sacs d'épicerie pour 100 pièces US, fruits, légumes, sac de chips. On a triché un peu. Le lavage là, c'était fermé, mais on a trouvé quelqu'un qui voulait faire notre lavage chez lui. Puis le diesel, ben le truck il était pas arrivé encore, puis il n'y avait plus de diesel. Là, on va retourner dans à peu près une heure pour aller chercher ce qui manque de diesel. On va tout finir nos tâches la journée. On vient de quitter Georgetown. Pour ceux qui sont déjà allés, c'est sûrement pas le Georgetown que vous avez connu. Il y avait 10 bateaux avec des gens dessus. Il y en avait plein sur des moorings dans les trous à ouragan, mais il n'y avait personne dessus. Wendy! On a été chanceux, on a quand même fait un souper potluck avec les gens qui avaient là. Donc on a eu une petite aperçu de ce qu'est Georgetown. Mais c'est sûr que c'est pas le 200, 300, 400 bateaux que vous êtes habitués à. On était quelques-uns. Là, on s'en va à un ancrage en se rapprochant de Long Island. Puis la prochaine fois qu'on renavigue, là, on va arriver à Long Island pour aller faire les customs pour sortir du pays. Il faut aussi écrire au customs de Turks and Caicos. Il faut demander la permission d'aller mettre l'ancre dans le pays, mais sans débarquer à terre, parce qu'on ne rencontre pas les exigences. En ce moment, ça prend un test COVID, ça prend des assurances médicales. Le chien, faut qu'il soit opéré, il est pas. Une couple de trucs, on n'a pas le droit d'Hawaiian Sling. Donc, on rencontre pas les exigences, donc on veut pas aller dans le pays, mais la ligne est beaucoup plus facile si on va à Turks and Caicos, puis après, on pique vers République Dominicaine, parce qu'il y a quand même un courant, puis les vents, ils arrivent toujours au presque de l'est, donc c'est vraiment difficile de se rendre directement de
puis des Bahamas en République dominicaine. Beaucoup plus facile. On va demander la permission d'aller s'ancrer là, se reposer puis repartir sans la peur. On vous le montre souvent, ce cadran-là, parce que dans le fond, il nous indique d'où vient le vent. Donc, la flèche pointe vers où le vent arrive. Quand on voit des dépressions comme ça avec le gros nuage gris, on sait qu'il s'en vient vers nous, on sait que ça s'en vient comme ça. On a déjà fermé les fenêtres puis on est prêt. Une des raisons pourquoi on voulait partir de Georgetown, c'est aussi parce que Georgetown n'est pas vraiment un petit spot de pêche. Fait qu'il a mangé sa salade en vitesse, puis là il s'en va voir pour du poisson. Ouais! Mets-nous un souper, là! C'est bon signe, ça mène à l'élastique du spear. Il doit être du poisson. Un beau lion! Ouais, vraiment beau. C'est tellement un beau poisson, mais tellement venimeux. On est le 18 août, on est arrivé à Long Island. On s'en vient ici parce que nouvelle dépression qu'on est en train de regarder, qui s'est développée dans l'Atlantique, est en direction de l'Arc-en-Tillet. Puis c'est ce qui nous retient ici avant de traverser vers Turks and Caicos pour ensuite viser l'Oupéron. Fait que c'est la dernière qu'on laisse passer. Ensuite, on va tout de suite se diriger pour être arrivé à l'Oupéron le 1er septembre. Parce que dans le fond, on est arrivé dans la saison active des ouragans. La dernière protection qu'on avait, c'était à Georgetown où il y a un Hurricane Hole. Après ça, il n'y en a pas vraiment d'autres au sud des Bahamas. Fait que le prochain, ça serait l'Oupéron. Fait que là, on est comme un peu entre les deux. C'est pour ça qu'on veut pas aller trop s'aventurer l'autre côté de Long Island tant qu'on sait pas si elle s'en vient vers nous ou pas. Là, ce qu'on a fait, Véro, elle a envoyé un email aujourd'hui pour Turks and Caicos pour avoir l'approbation de faire des arrêts. On n'ira pas à terre, mais on va pouvoir faire des arrêts à l'ancre pour se reposer puis repartir le lendemain. On aurait deux stops qu'on ferait. Une en arrivant à Turks and Caicos, puis la dernière île pour viser l'Oupéron. Donc c'est ça le courriel que j'envoie au gouvernement de Turks and Caicos. Dans le fond, ça résume notre situation, comme quoi qu'on est dans les Bahamas depuis le 6 juillet, qu'on prévoit une navigation de 315 000 nautiques jusqu'à l'Oupéron, puis qu'on demande la permission pour faire des arrêts à Turks and Caicos sans aller à terre. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Vas-y! T'es bonne! Elle attend maman pour aller en paddleboard. Viens faire du paddle, maman! Allez! On s'en va pas d'abord, ouais! Bonne Fait vraiment pas froid là, mais Windy elle est frileuse au bout. On vient de paddleboard et elle est gelée. Là, elle me vole mon estimain. Le pire c'est que son poil sèche tellement rapidement, hein, genre 10 minutes elle est toute sèche. Elle est bien installée sur la bombe en train de regarder quoi? Coucher de soleil magnifique. On va faire 10 pouces ce matin, puis on se fait une pancarte pour montrer c'est où ce qu'on veut aller. Puis on va aller au Dean Blue Hole. En espérant qu'on se fasse embarquer par un gentil samaritain. Vous voyez, atypique à l'autre bout là-bas, là. Patrice, il est ramé jusqu'ici parce qu'on n'a pas mis le moteur. Pour être capable de monter le dinghy sur la plage, puis le barrer à l'arbre. Puis là, ben, on marche à travers la petite forêt jusqu'au chemin. On est arrivé, guys! Ça a super bien été. Tu sais, il y a une madame et son garçon qui nous a ramassés
super gentille, le tout super clean, des bandes de velours rouges. Puis elle est venue nous porter, elle a même fait un détour. Deuxième plus profond au monde. Le premier, c'est en Chine, ça s'appelle le Dragon's Hole. Yeah, Dean's Blue Hole, c'est le deuxième. C'est vraiment drôle parce qu'on vient de se faire arrêter par la police. Il y a quelqu'un qui nous a dénoncé, semble-t-il, parce que la personne qui nous a reconduit n'avait pas le droit de faire ça. Là, les polices nous attendent. Le temps qu'on regarde le Blue Hole, on vient nous porter au bateau. On vient de venir manger, on est dans la boîte de troc et on est escorté par la police qui nous suit et qui s'assure qu'on retourne à notre bateau. Quand même drôle. On a appelé les customs aujourd'hui. Que les customs ils nous rencontrent à la plage juste en face de où on est ancré. Ils vont nous faire notre check-out du pays. Après ça, il nous reste quelques îles, mais on débarquera pas à terre. Puis on va essayer de se rendre rapidement possible en République dominicaine. On a Laura qui s'en vient, une tempête tropicale en ce moment, qui s'en vient directement sur les Bahamas. Donc on voulait faire notre check-out au cas qu'on doit piquer d'un autre pays. On veut être correct avec les Bahamas. What is the value? We bought it for 45,000 Canadian. Registered in Canada? Yeah. Fait que, on est clear pour partir des Bahamas. Ça s'est fait sur la plage. Vraiment easy. Fait que le gars de custom il est venu nous voir. Puis là, il s'en retourne dans son Jeep. Vraiment sympathique. Ce soir, ce que tu fais? On prépare pour la traversée. J'ai vidé l'huile à partir de la jauge. Tu peux rentrer une grosse pompe. Là. Tu rentres le tuyau dedans. Tu vides toute l'huile. Puis là, je finis en bas pour les dépôts qu'il peut avoir dedans, la cochonnerie, puis pour vider le filtreur aussi, parce que sinon, il en reste dans le filtreur quand on fait pas ça. Puis là, ça coule. Véro est en train de nous mettre de la belle huile neuve dans notre beau moteur Yanmar. Véro, après, elle remplit l'huile neuve, elle s'assure qu'il n'y a pas de fuite. Elle passe une deuxième fois en arrêt de moi pour être sûr que le filtreur est bien vissé, qu'il n'y a pas de fuite à nulle part, comme ça on est les deux à avoir vérifié que tout est beau. Juste s'assurer qu'il n'y a pas de fuite ici, parce qu'on a mis le filtreur. Tu vois, il n'y a rien. En dessous ici, il faut s'assurer qu'il n'y en a pas aussi. Il n'y a pas d'huile. Comme vous pouvez voir. On vérifie le dipstick quand t'as 1,5. Mindy, elle veut tout le temps nous aider. Cool, elle nous donne du soutien moral quand on fait des tâches. Puis on a fait ça, puis tout est beau. On est dans la production de bouffe, ça n'a pas d'allure. Première fois qu'on se prépare aussi bien pour une traversée. Et là, je viens de finir un hummus. Ici, on a des pains pita. Pat a fait un pain un matin, il a coupé des carottes aussi pour le hummus. On a une salade de macaroni qui est en train d'être prête. Puis je pense que je vais faire des muffins aussi. Aïe, aïe, je viens de me faire brûler par une méduse. J'étais après me laver dans l'échelle. Là, elle m'a piqué ses fesses en premier. Mais là, après, quand elle m'a piqué encore, près d'ici, je suis toute brûlée. On a regardé sur Google, ça dit de rincer avec du vinaigre. Faut prendre une douche chaude pendant 20 à 45 minutes pour vraiment bien rincer. Mais j'ai pas ce luxe-là de pouvoir prendre une douche de 20 minutes. Et je me suis rincée un peu avec l'eau chaude, là, mais c'est 5 minutes. Première fois que je me fais piquer par quelque chose de la mer. Si tu as aimé cet épisode et qu'il t'apporte du positif dans ta vie, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir la notification aussitôt que le prochain épisode sera disponible. On voulait aussi remercier nos Patreons qui nous supportent chaque semaine. La famille Atypique s'agrandit de plus en plus et c'est grâce à vous que la continuation de cette aventure sur YouTube est possible. La semaine prochaine, on hisse le drapeau jaune sur Atypique et on navigue pour se cacher de Laura, une tempête tropicale qui se dirige droit sur les Bahamas. À la prochaine! Ouais, je me suis trouvé un super bâton! Bonne fille! Viens ici! Viens! Non, je viens pas ici! Je veux le gruger tranquillement! Ah, oh, bonne fille, ça! Donne! Non, non, maman, enlève-moi pas mon bâton! Non, j'ai dit que je le garde! Mindy. Il est à moi! Mindy. Tu veux? Va chercher! Bon, là, faut que je retourne le chercher! C'est mon moment à moi avec le bâton! Ouais. Bonne fille! Ouais, je le sais, je suis une bonne fille, maman! Bonne fille, ça! Ici! Viens!
Mais là, arrête de m'enlever mon bâton. Ah, oh, pas encore, maman. Laisse-le-moi. Mindy! Mindy! Non, je viens pas ici. Je vais aller plus loin. Faut toujours que j'aille chercher le bâton. Je peux jamais le gruger. Là, laisse-moi tranquille. Je veux plus jouer.